C'est bon pour la poser des questions sur sur la répression que connaît actuellement les Juifs en Israël. Je suis à essentiellement à dire donc si tu veux répondre là-dessus et aussi sur la fameuse question qui a été complètement par l'intervention présente, c'est ce mouvement des indignés en Israël même. Hein, c'est-à-dire qu'il y a de profondes inégalités, je voudrais aussi que tu puisses là-dessus réagir. Et je viens de me demander un petit peu de précision par rapport à ce qui me semble être le chantage qui est exercé par les puissances occidentales à l'heure actuelle. Consiste finalement à conditionner ou tenter de conditionner l'aide pour la reconstruction du dialogue de Gaza au désarmement du Hamas. Par rapport à ce que je viens de dire à l'instant, peut-être nous approfondir aussi sur la question des inégalités et d'un certain libéralisme qui existe effectivement en Cisjordanie. Il y a eu d'ailleurs le docteur qui a écrit un excellent bouquin là-dessus, quand même parlant sur les difficultés de la résistance au pied aujourd'hui. Voilà, maintenant je vous laisse la parole avant de redonner la parole à la tribune. Donc si on pouvait encore avoir trois ou quatre interventions brèves pour que la tribune puisse répondre, hein, et après on va se retrouver de manière conviviale. Voilà, à vous. Je vais faire très bref. Moi, je voudrais vous confier sur la responsabilité matérielle israélite dans la souffrance du peuple palestinien actuellement. Je crois que tant que les États-Unis avaient le chat-dévent pour faire le sale boulot, ils lui faisaient faire. À partir du moment où le chat-dévent est tombé, il leur fallait une terre de bonne, et en particulier maintenant, pour redessiner le Grand Maghreb. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on précise ça, parce que ça n'a pas été beaucoup. Si la tête de pont américaine est aujourd'hui Israël, c'est parce qu'ils ont bien du mal à avoir d'autres justiciers présents sur place. Bonsoir. Moi j'ai une question à poser aux Français, pas aux Français, aux Français immigrés, aux Français et aux Juifs qui soutiennent la Palestine. Quand on manifeste, il n'y a personne qui vient soutenir la cause palestinienne. J'aimerais savoir pourquoi. Quand on sort pour manifester, il y a que les Maghrébins, les Turcs, les autres gens, mais les Français et les Juifs, il n'y a personne qui. L'intervention suivante, celle qui vous plaît à l'un de vous. Je n'y parle pas. Je veux savoir ce que vous pensez de Dieu. Plusieurs questions.